Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Deux mondes s'affrontent. Ça faisait longtemps, mais on y revient et on va y revenir plus fréquemment. Parce que j'ai essayé de me faire un petit programme pour la semaine, donc vous inquiétez pas. Maintenant, Deux mondes s'affrontent sera plutôt régulier. Et donc, on commence cet épisode sur Atlas, Punis, Salamis, au bon lait de brebis. Dieu seul sait comment moi, Secundos, chef de la cité de Salamis, me suis attiré la colère d'Atlas, le dieu des éditions Hachette. Oh putain, c'était pourri ça. Celui-ci est en train de changer tout ce qui bouge en pierre, blablabla, je ne peux plus commercer. Eh ben, on commence l'épisode avec une malédiction divine et une blague de merde, c'est génial. Attaque contre Cimé. Ouais, alors... Faut se calmer parce que... Écoute, je t'envoie ça, mais démerde-toi avec. Hein. Alors, attendez, pause. Parce que je crois bien qu'en plus, nous, on va se faire envahir. Ouais, c'est ça. En novembre de l'année dernière... En fait, j'ai l'impression que ça va. Du coup, on en était où des... Ouais, accomplir la quête à venir. Carthage n'était pas à nous. C'est moi ou on a perdu énormément de partenaires commerciaux. Alliés, rival, vassal. Ouais, bon. Reste plus qu'à... Oups, je me suis foiré de bouton. Reste plus qu'à attendre la quête. Voilà. Lalilalou. Ça serait bien qu'on nous l'envoie assez rapidement. Considération accrue de Knossos. Tout le monde me kiffe, tout le monde me kiffe. Non, c'est pas ça. Tout le monde me kiffe, c'est bien. Ouais. Les gens m'aiment ou pas? J'en ai absolument aucune idée. On a du chômage. Vous faites chier. Bon. Alors là, toute mon armée est à l'étranger. Salamis se rétablit, c'est parfait. Donc c'est bientôt fini ça? Oui, enfin. Oui, tout le monde m'aime. À quoi tu sers, toi? Versement du tribut. Ah, écoute, je vais tout accepter. Comme ça, le bastion de Zeus. Voilà. Je vais tout accepter, comme ça peut-être que nos relations diplomatiques s'en trouveront améliorées. Putain, tout le monde m'aime, c'est magnifique. Allez, balancez-moi la quête, là. Du coup, on aura fait un temple, ça aura servi à rien. Consultez l'oracle. J'ai entendu, crois... Hein. Oh bah ouais. Ouais, vas-y, envoie-lui des troupes. Pouf. Ah, c'est cool, ça. Merci, l'oracle. Don en marbre. Je m'en fous. Est-ce qu'on peut vendre du marbre? Quelqu'un veut du marbre? Non, toi, par contre, on peut te vendre des sculptures. Voilà. Ça c'est bien. Attaque contre Thèbes. Oh là 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 là. Donc faudrait voir à se calmer avec les attaques là. Hein. Ah tiens, ici on a un poste de commerce, à quoi il sert? Vente d'armement. Non bah c'est bon, on s'en sort très bien comme ça. Poséidon punit Knossos. Engloutit ma cité, d'accord. D'accord, ok. Reconstruis ta cité, c'est pas grave. De toute façon, est-ce que je faisais du commerce avec toi? T'es où? Knossos. Na.
Requin, un produit. Ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Reconstruis-toi tranquille. Tu m'es inutile. Quoi? Ah bah merde! Ah ouais, d'accord. Knossos n'est plus. Ah ouais, non mais ok. Tout bonnement, tout simplement. Knossos n'existe plus. C'est violent. Bon, invasion déclenchée par Terra, ouais, je m'en doutais. Du coup. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. En cours. D'ailleurs quoi ça? Réquisitionner les ouvriers. Renvoyer. Allez. On recrute. Problème financier, envoi. Du coup, oui, on manque gravement d'ouvriers maintenant. Du coup, non, renvoyez-les chez eux. Et pourquoi il y a plein de monde qui se barre tout d'un coup là? Obtenir. Pourquoi on a plus assez d'huile d'olive? Est-ce que quelqu'un vend de l'huile d'olive? Oh, vous allez me laisser cliquer? Putain de merde. Mais... Oh les gars, pause! Vous allez me laisser jouer ou merde? C'est pas possible ça. Bon, est-ce que quelqu'un vend de l'huile d'olive, nom de Dieu? Non, non, non. Oui, mais t'es rival. Teb vend de l'huile d'olive. Teb, mon ami. On a déjà un doc. Teb, où es-tu? Ouais, voilà, achète-moi de l'huile d'olive. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. Invasion. Oui, je sais qu'ils arrivent. On est bien en autodéfense. Ouais, c'est bon. Donc, on vient de... Ouais. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Allez, c'est cool. Donc, on vient de... Héphaïstos demande à Talos de vous aider. Ça, c'est très très bien. Alors, la bataille, comment que ça se passe? Don viande, ouais. Troupe d'attaque battue, mais ce fut rapide. Ce fut rapide. Du coup, retour des soldats victorieux. Aphrodite punissime, don en marbre. Oh là 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 là. Ça va. Et tout soldat se sent plus fort. Aphrodite punissime. Est-ce que je faisais du commerce avec ces troufions? C'est eux. Non, c'est bon, on s'en fout. Don en marbre, ouais, on s'en branle. Voilà. Du coup, j'aimerais bien faire la quête. Mais je suis désolé, j'ai pas de place dans mes entrepôts. Salamis menacé par le cyclope. Eh ben voilà, ça y est, don en vin. Journée. Stop. Alors attends, 2 minutes. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on est revenu à une vitesse normale. Le temple d'Ulysse. Qu'est-ce qu'il lui faut alors? Ok. Ok, c'est parfait. C'est nickel. Appelez Ulysse. Voilà. C'est juste magnifique. Du coup, on pourrait pas en profiter pour conquérir une cité, là. Boum, 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 boum. Et boum. Et envoyé. Voilà. Avec ça, ça devrait suffire. On va leur rouler sur la tronche. Ça nous fera du bien. Mais j'ai pas de place. Aphrodite pardonne. Très bien. Vas-y. Ouais, je prends. On a pu en prendre que 8. On a grave d'ouvriers requis, mais c'est parce qu'on a envoyé des troupes à l'étranger. Tiens, prière. Non, il est trop occupé. Prière. D'accord, il le fera lorsque l'occasion se présentera. La prochaine fois qu'on se fait envahir, Zeus terrassera tous nos ennemis. C'est parfait. Niveau bouffe, c'est beaucoup. C'est bien. Salamis en adoration.
Bon, il arrive, Ulysse. Ouais, qui se mène le troufion. Ah, fait chier. Ulysse arrive. Ah bah quand même. Bon. Dépêche-toi d'arriver à ton palais. À ton temple. Du coup, cité de Salamis a été dévastée. D'accord. Oui, oui, non mais t'inquiète pas, je vais régler ce problème. C'est par là. C'est bon, il est arrivé. Ok. Ensuite, quête. Non, c'est... voilà. Accomplir la quête à venir. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Avant de me revoir. Cette cité, voilà, c'est le bordel partout. Disons que j'aimerais bien... Il faut peut-être leur envoyer Salamis. Comment on fait? Comment on fait pour envoyer Ulysse? Allô? Ouais. Ouais. J'aimerais envoyer Ulysse battre le Cyclope. Pas encore terminé. Bah oui, mais comment que je fais? Ok, vous avez conquis Sakara, oui d'accord. Mais là, je suis paumé du coup. Célébrez-moi. Oui. Les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Seulement, on les avait invités aux festivités du dieu Pan ou d'Aphrodite. Accélérons un peu la vitesse. Oh, salutations, camarades. Okay. Si vous accomplissez ma quête, le rêve vous portera au nu. Oh fuck, d'accord, bon bah temple des héros percé. Où qu'on va le faire lui? Alors ici, tiens. Tourne ça le moteur. Ici, alors. Oui, ouais, bien. Oui, oui. Voilà. Alors du coup, un sanctuaire dédié. Oh putain, non, non, non. Pause. Ah, fais ok. Oh la vache, non. Alors ça, c'est... Ça fait bien chier. Ok, alors toi, ici. C'est bon, il y a un accès à la route, oui. Ok, toi, ici. Et alors celui d'Athéna, par contre... Ah merde. Merde, merde, merde. Ah ben non, attends, on peut peut-être le caser ici. Oui, oui, oui. Dites-moi que on peut... attends, déjà. Est-ce qu'on peut balancer une route? Ouais, on balance une route. Vas-y, bitch. Du coup, est-ce que c'est bon? Il y a bien un accès? Ouais, il y a un accès. Et vas-y, fais-moi le sanctuaire d'Athéna. Ici. Ok, est-ce qu'il nous reste des artisans? Non, parce qu'on les avait tous détruits. Ok, donc guilde d'artisans. On a besoin d'ouvriers, ouais, je sais. Envoyer des soldats. Voilà, envoie-moi... Envoie tout ça. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Du coup, dans le bois, oui. Il nous faut plus de main-d'oeuvre. Il nous faut gravement de la main-d'oeuvre. Comment que je vais faire ça? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait désactiver? Oui. Est-ce que par hasard, il y aurait une industrie qu'on pourrait stopper? Carthage m'estime. Je me demande. Peut-être qu'on va renvoyer nos trirèmes.
Peut-être qu'on va renvoyer notre IREM et qu'est-ce qu'on pourrait arrêter comme industrie? Vu qu'on achète de l'huile d'olive, j'ai peur de pas en avoir assez par contre. Oui, j'ai peur. Bah, du coup, ça a quand même l'air de marcher. Non? Bon. Bah, du coup, on voit ça. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même renvoyer les dons en viande, ouais. On va renvoyer nos deux trirèmes, là. Journée. Vous. Oui. Comment qu'on fait? Dons en viande accepté, ouais. Ouais. Moi, j'accepte tout, on s'en fout. Dans la cité, non. Je veux renvoyer mes... Attends. Le refuge d'Hermès est terminé, c'est parfait. Considération accrue. Ok, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, on a gagné de la main-d'œuvre. Ouais, un peu. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Allez, dépêchez-vous là. Putain, la construction construction extrême quoi. Don en viande, journée, on s'en fout. Ah, c'est vitesse épique là, hein. C'est Ah ouais, on s'emmerde plus là, ça roule tout seul. Allez, des blocs de marbre. Oh là, vous avez fini d'attaquer mes alliés, bordel de merde. Vas-y, envoie tout ça. Boum, voilà. Je me demande quelle va être la mission suivante. Voilà, du coup, mon Gus, là. Ah, il nous faut des sculptures, ok. Du coup... Voup, voilà, ça c'est fait. Du coup, on a 4 sanctuaires, quoi. Tiens, hop, on va faire une prière, voilà. Et on va faire une prière pour lui, aussi. Ok. Que mes oliviers sacrés produisent des fruits. Problème financier. Quoi? On lui rappelle à votre générosité, envoyez-moi une de moi. D'accord, bah oui. Hermès vous prête main forte, oui. Ah bah du coup, Hermès a réglé la requête, ok, d'accord. Pas de problème. Du coup, on a des sculptures, ça y est, non, oui. On va arrêter d'en vendre 2 minutes. Voilà. Stockez-moi des sculptures, qu'on puisse appeler le héros. Putain. Allez, plus vite. Faudrait peut-être accélérer la vitesse du jeu. Eh ben, on est déjà en 100%. On va peut-être y arriver à appeler ce Gus. J'ai pas l'impression que ça soit en 100% là. Hein. Là. Non, bon, ça bug. Ça bug, c'est pas grave. Eh ben, tout ce qu'on retient. On va vendre des sculptures, mais plus tard. D'ailleurs, on va. Hop. Maison que 12 à chaque fois. Voilà. Donc ça sert à rien sinon. Bon alors les sculptures, ça vient. J'ai 4 dieux et bientôt 2 héros qui se baladent dans ma cité quoi. Retour des soldats victorieux, oui. Versement du tribut. Tiens, et pourquoi on n'envahirait pas une autre cité, dis donc? Tant qu'à faire. Genre Carthage. Hein? Allez. Voilà. Allez. Envahissez Carthage. C'est toujours ça de fait, de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors. J'ai cru qu'on manquait de laine. Bon, ça bosse les sculptures là.
Vous avez conquis Carthage, parfait. Ouais. Arrêtez de me donner des trucs. Oh bon bah ok d'accord. On arrête d'attaquer Carthage puisqu'apparemment ils la reprennent directement. Ah bah voilà, c'est bon, on est là, on les a les sculptures. Ouais ouais ouais, alors. Putain, il nous manque de la laine. Allez. Allez. Je veux de la laine. Invasion, c'est pas grave. Donc, allez là, de la laine. Une bonne laine. Et voilà. Hop, appelez Percé, voilà. Maintenant, on va peut-être pouvoir se mettre à vendre nos sculptures. Ouais. Allez, vends-moi ça. Et je me suis foiré quand j'ai cliqué. Vends-moi ça, c'est parti. Du coup, on en est où de la main-d'œuvre? Ouais, non, bon, on va pas. Je suis percé et rien ne peut m'arrêter. Oui, d'accord, verse. Blablabla. 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 Voilà. Percé est là, c'est bon. Voilà. Allez, vas-y, Percé, vas-y, mon brave. Et dépêche-toi. Invasion déclenchée par Terra, ils arrivent, c'est pas grave, on est en autodéfense. On va les poutrer. Je vais ordonner à Talos de vous aider défendre. À résoudre vos problèmes. On devrait les battre sans problème. C'est où? Vas-y, on est. Eh, va falloir se calmer là. Nous avons perdu. Ah bah bon, bah voilà. Ça c'est fini. On n'a pas perdu de bataille, qu'est-ce que tu racontes? Les Atlantes ont battu la plupart de nos alliés et nos fidèles colonies. D'accord, si c'est la merde en fait. Victimes de la colère de Poséidon. Dionysos et Percé doivent être remerciés pour cela quand Dionysos eut vendu du sort des centaures sur le mont Olympe, il châtia le peuple d'Elixus en employant sa tactique habituelle, à faire boire du vin à ses victimes jusqu'à ce qu'elles tombent ivres mortes. Les Atlantes, ainsi indisposées, Percé s'empara de la tête de Méduse et transforma les citoyens de l'Elixus en pierre. Si nous devons profiter de cette aubaine, il nous faut agir vite. Le repeuplement de l'Elixus et la restauration du fort ne devraient guère prendre beaucoup de temps aux Atlantes. D'accord. Dans un éclair, Zeus apparut à nos voyants. Oui. Chers amis grecs, j'ai observé votre guerre contre les Atlantes et je suis aujourd'hui fatigué de leurs intimidations grotesques. Oh que ça va chier. Mon frère Poséidon a lui aussi pris la grosse tête et ses chevilles ne sont pas en reste. Il est grand temps de remettre Poséidon et son peuple déloyal à leur place. J'échafaude un plan qui vous permettra de vaincre les Atlantes une bonne fois pour toutes. Et de leur faire subir le sort qu'ils réservent à d'autres. Le fort de l'Ixus détruit, un héros habile devrait pouvoir se rendre facilement en Atlantide pour mettre à exécution ce complot. Je dois encore peaufiner les derniers détails, mais je serai bientôt de retour. Attendez le bon moment ici à Mycène. Ok, les mots de Zeus résonnent comme un appel à l'action. Nous devons de nouveau nous soulever, les armes à la main. Et affronter notre perfide ennemi Atlante. Nous serons prêts quand les Atlantes attaqueront. Nous les accueillerons par un cri de bataille à figer le sang dans les veines. Puis de la pointe de nos lances, nous les chasserons de la cité. Si nos alliés sont battus, nous garderons notre sang-froid et redoublerons d'efforts pour vaincre l'ennemi. Nous ne ferons qu'une bouchée des dieux mécontents et des monstres féroces. Nous résisterons à leurs assauts et les repousserons à l'aide des dieux et des héros de la Grèce. Cela prouvera au monde entier qu'on ne badine pas avec les Grecs, bitch. Voilà. D'accord, donc faut attendre. Il faut tout simplement attendre la quête. Et du coup, il me faut démobiliser Ségus là. Voilà. Poséidon punit Sparte, je sais pas pourquoi. Donc la main d'œuvre revient petit à petit, c'est bon. Ok, on est à plus de 100 000 de thunes. Quoi? Ils ont conquis Sparte? Putain, ça fait chier. Bon bah on va la reprendre. Allez. J'ai plus mes héros?
Ah bah c'est emmerdant ça. Bon bah j'ai plus mes héros, mais par contre... prière pour le grand Zeus. Cool. Cool, cool, cool. Donc non, j'ai plus mes deux héros, c'est con. Invasion, c'est pas grave. Ouais. D'accord, donc ça y est, il va falloir vaincre Hector. Temple d'Achille. Vous allez me laisser construire mon temple. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Des armes? Ok. Arrête 2 minutes de vendre des armes. Il est où Hector? Oh là 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 là, c'est la merde partout. Hector. Ouais, mon stade! Foiré, vous avez conquis Sparte, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oh là là, ça va m'emmerder ça. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Défendre. Ok. Ok, il est où? Il est où? Conquête de... Ah ah ah. Ah là 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 là. Stop, stop. On va réduire la vitesse tout de suite parce que là je comprends plus rien à ce qui se passe. C'est où que ça se... Ah ! Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a plus de laine? Oui, et Zeus, tu fais quoi? Putain, c'est la merde! Oh là 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 là! Temple d'Ulysse. Ah, c'est quoi ce bordel? Ok. Appelez Ulysse, ok. Un sanctuaire dédié à Hephaïstos. Mais on l'a! Pourquoi il nous manque des trucs? Oh putain. Et on les a battus là, oui ou merde? Ok, d'accord. Pourquoi tout ce joli petit monde ne se mobilise pas? Oh là là, mais non, mais putain, pourquoi mes troupes sont pas là? Non, c'est pas possible. Allez, mais bordel, j'ai des dieux avec moi. Oh la vache. Ok, pause. On se calme. On se détend. On se détend. On se détend. Ulysse va aller tuer le cyclope. Ok. Et Ulysse, tu peux pas te manier un peu? Ok, on les a battus là, oui ou merde? Ok. Donc, tout le monde au repos, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, stop, 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 stop. Là, 2 minutes. Oh putain. Entrepôt, entrepôt. Ok. Ok, on se calme, on se calme, on se calme, on se détend. On se détend. Donc ici, il y avait de l'olive et du vin. On se détend, les amis. Tout va bien.
Voilà. Les pressoirs à olive. Et des ateliers vinicoles. Et évidemment, des entrepôts. Putain la vache, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je me suis fait tellement allumer la gueule de partout. Vas-y, y'avait quoi là? Maintenance. On se détend, tout va bien. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais du coup, j'ai besoin de laine. Ok, Sidon, tu vends de la laine. Hop. Vite, achète de la laine. Qui d'autre vend de la laine? Tire, non. Non plus. Oh la vache, putain! Qu'est-ce qu'il y avait là? Guilde d'artisans. Parce que j'avais des guildes d'artisans. Ça me prenait de la main d'œuvre pour rien cette connerie. Ok, donc on relance. Putain, tout le monde se casse. Sidon, j'ai besoin de laine. Que alors lui se balade. Il se balade pour foutre la merde. Alors ici, il va falloir reconstruire nos maisons de riches. Et c'est parti. Fin du cyclope, ça c'est déjà. C'est putain, et puis on a plus de laine évidemment. Oh oui, putain, on a des belles statues. Là, invasion déclenchée. Vas-y, paye, on s'en fout. On va essayer de se redresser un peu là. Oh la vache. Ulysse déguerpit face à Hector. Ah oui, mais non, mais c'est pas bon pour moi ça. Ok, alors vite, des armes. Faites-moi des armes, nom de Dieu. Ah oui, mais évidemment, on n'a plus du tout de main d'œuvre, il nous faut de la laine. De la laine. Alors, voilà, tout le monde est au repos. Parfait. Parfait. Alors, putain, on n'a plus d'armée, c'est génial. Et on n'a plus de laine. Pourtant, on en fait ici, non? Non, c'est du fromage. Ok, il va nous falloir. Bon, désolé. Mais voilà. Accepté. Non. Non, attends. Décliner. Accepté. Il va nous falloir des bergeries. Pour faire de la laine. Oui. Allez, vas-y, oui. Fais-moi du mouton. Eh ben, pourquoi je peux faire autant de moutons? Ah bah voilà. Oh putain. Donc. Alors ici, ça se fight, ok. Niveau de la laine, ok. Non, mais putain, mais laisse-moi tranquille. Moi, votre ennemi, et la mer le sera aussi. Ouais, Zeus, aide-nous, pitié. Allez, fais quelque chose.
Va buter ton frère. Je te déteste. Mec, je te déteste. Je vous hais tous autant que vous êtes. Et qui, avec qui je peux faire encore du commerce là? Ouais, je sais pas, mais bon. C'est bon, tu dégages? Vous avez fait de moi votre ennemi. Et la mère. Ok. D'accord, vas-y, on va faire une prière pour tout le monde. Et je veux que tout le monde m'aide là. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai trouvé la meilleure cité et le dirigeant le plus efficace. Ben voilà, c'est bon, ça revient. Pourquoi je peux plus faire de... Bon, d'accord. Bon, la laine revient petit à petit. Ok, c'est bon, la main d'œuvre, ça va revenir. Mais tout ça, ça sera au prochain épisode, les amis. Ah oui, mais on n'a pas d'entrepôt pour stocker nos armes. Toi, tu vas être en mode accepter les armes, voilà. Il faut absolument qu'on se débarrasse d'Hector. Mais ça, les amis, ça sera au prochain épisode, parce que ça fait assez longtemps. Et oh la vache, c'est la merde, putain, je me suis tout pris dans la gueule dès le début. Et vous qui vouliez me voir rager et désespéré, bah vous êtes servi. Bon, bah j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a énormément plu. Je les emmerde, Syracuse. Je leur pisse dans la bouche, Syracuse. Je leur vomis dans la bouche. Voilà. Et donc, je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 17. Jusque-là, portez-vous bien, les amis.